Est-ce que tu connais nécessairement le conseil électoral qui l'a pour un petit bout de temps dans le KIPA? Est-ce que tu connais l'administration du conseil électoral pour vous travailler chaque jour, même si ce n'est pas dans le pays électoral? KIPA a une plusieurs directions là-dedans. Direction ça au travail, même si ce n'est pas un conseil d'administration. Conseil d'administration, c'est le conseil électoral qui forme. Depuis septembre 2021, le Premier ministre Ariel Henry voyait tout le conseil électoral y aller. Là, nous mettons ensemble tout l'emploi et KIPA a gagné dans le pays, il y a plus de 1200 ans. Puis, il faut un emploi et ça, c'est contractuel. Ça veut dire que c'est un contrat ou gain, ce n'est pas nommé ou nommé dans l'État. Vous pouvez couper le contrat ou n'importe quoi. Depuis octobre 2021, l'employeur n'a pas jamais touché parce qu'il n'y a pas d'ordonnateur dans le KIPA. Normalement, c'est le président de KIPA qui joue l'ordonnateur. Ça veut dire que c'est lui qui doit signer pour dépenses faites dans le CIPA. Nous parlons avec un peu de monde qui a travaillé dans le KIPA. Nous parlons avec l'ancien responsable KIPA tout pour nous comprendre ce sujet. Après, vite, on monte sur le site à l'imposte pour qu'on puisse comprendre plus.